Cœur de la Méditerranée, le Moitos, tel un Tibet européen, abrite depuis 10 siècles ses trésors et ses secrets derrière les hautes et épaisses murailles de ses monastères. Dès le début de l'ère chrétienne, ermites et moines vagabonds sont venus vivre dans cette région tempérée. Aux environs de l'an 1000, Athanase l'Atonite fonde la Grande Lavra, le premier de tous les monastères dispersés sur la presqu'île où vécurent à certaines époques près de 10 000 moines. Le mont Athos est situé au nord-est de la Grèce, plus éloigné d'Athènes que de Constantinople, dont il a toujours subi l'influence. Il est placé comme un promontoire dans la mer Égée, au centre du monde orthodoxe. Petite province religieuse de 50 km de long, la Sainte Montagne aux 20 monastères a son gouvernement autonome. Sur ses pentes verdoyantes, s'accrochent les villages des moines qui ont préféré la vie rustique à la vie monacale. Leurs demeures sont moins des habitations que des chapelles. Parfois, aidés de quelques maçons laïcs, ils deviennent leurs propres architectes. Au pays du soleil et de l'eau, le silence a inondé les monastères d'Iviron, de la Grande Lavra et de Dionysio. Mais au XVe siècle, dans la ferveur de leur vie mystique, les peintres de l'Apocalypse de Saint Jean pouvaient déjà représenter prophétiquement l'horreur de la guerre. La chute de Babylone sous les bombardements. Les chars d'assaut. Les avions. La bombe atomique même. Aucun être vivant ne peut naître au mont Athos. On y meurt seulement, et encore sans larmes, et sans monuments. Construit par le dernier des tsars, Saint Panteleimon n'est plus hanté que par des vieillards. Athos est la presqu'île aux hommes, où depuis le XIe siècle, il est interdit à tout imberbe, à toute femme, à tout animal femelle d'y pénétrer. Une exception à la règle. De tout temps, des Byzantins dégoûtés du monde ont trouvé là le calme intérieur. Être libre, oisif et pourtant en sécurité. N'est-ce pas là le vœu intime de tous les hommes ?
mais les moins riches sont obligés de compléter leurs maigres ressources. Kilandar, monastère serbe, où l'eau de la montagne permet l'irrigation du potager. Jardiner, gauler des noix, ramasser les figues, telle est la vie sereine de ces moines qui, après avoir prié, n'ont pas d'autre chose à faire que suivre le rythme des occupations saisonnières. La terre du mont Athos leur apporte le vin et le bois. L'exploitation des forêts reste leur principale ressource. Jadis, les monastères possédaient une flotte. Aujourd'hui, les voûtes du hangar n'abritent plus que les carcasses pourries des grandes caïques, et seules petites barques ramènent à l'aube le moine pêcheur. Chaque jour, au rythme de la vie monacale, s'élève la prière d'un moine solitaire. La cimandre annonce les offices depuis que l'occupant turc a interdit l'usage des cloches. Pendant l'élévation, le père Isidore songe peut-être aux joies célestes et aux tentations qui peuvent l'en détourner. Il semble que ses yeux s'égarent longuement sur les fresques qui lui rappellent l'horreur de la damnation éternelle. La vie d'un moine n'est qu'une longue ascension vers le ciel. La présence de son ange gardien ne l'empêchera pas toujours de succomber aux tentations. «
les diables entraîneront en enfer celui qui a péché. Les vivants qui le savent ont déjà effacé leur tête hideuse. Mais l'élu aura droit à la bénédiction divine et les portes du paradis s'ouvriront devant lui. Dès leur vie terrestre, les ermites gravissent l'échelle du ciel pour rejoindre leur cabane, baptisée Maison des Archanges. Seule, une poulie relie au monde la falaise du silence. Ici, la prière dure 18 heures par jour. Le père Gabriel consacre le reste de son temps à la reliure. Le père Nicolas à la lecture. La nourriture, c'est tout d'abord l'eau de pluie recueillie l'hiver par les gouttières. C'est aussi les amandes, les grenades, les figues de Barbarie et le pain sec envoyé par les monastères. Le père Daniel s'en contente depuis 15 ans, absorbé par la peinture ou par la gravure d'une icône qu'il a commencée depuis longtemps. Il priera toute la nuit pour effacer le péché d'orgueil que vient de lui faire commettre le cinéma. La falaise aux ermites n'est qu'une immense prière lancée vers le ciel avant le passage dans l'au-delà.